Écrire n'est pas une simple retranscription de la parole. C'est aussi une aventure de la pensée qui se construit dans le fait même d'écrire, de raturer, de corriger, de synthétiser, de classer. Chacun a pu l'expérimenter. Les brouillons d'écrivains en sont la plus belle illustration. Feuilleter le manuscrit d'un écrivain, c'est en effet entrer dans l'intimité de l'auteur. On devine la main courant sur le papier, on suit le tâtonnement, le cheminement de la pensée, avec ses repentirs et ses illuminations. Victor Hugo écrit en toutes circonstances, au hasard du papier tombé sous sa main. Ses superbes maisonnettes, avec leurs marges chargées par les remaniements et additions ultérieures, attestent de son inépuisable créativité. Les manuscrits de Flaubert témoignent de la lutte obstinée de l'écrivain avec la langue, de sa recherche obsessionnelle de l'expression juste. Les milliers de pages de Proust apparaissent saturées d'ajouts et de corrections, écrites dans la hâte de tout dire, et augmentées à la fin de l'œuvre des fameuses paperolles interminablement collées les unes au bout des autres. Georges Perec, quant à lui, joue de contraintes mathématiques. Il se fixe, dans le scénario manuscrit de « La vie, mode d'emploi », un ensemble complexe de règles qui fonctionne comme une véritable machine à produire et organiser une multitude d'histoires. Apollinaire, Ségalène, Valéry, les surréalistes, autant d'univers, autant de traces écrites qui, même si elles ne dévoilent pas les sources de l'inspiration poétique, donnent à voir, au gré des fragments de textes raturés, le travail sur l'image, le rythme et la forme. Entre les premières idées griffonnées dans un carnet et les ultimes corrections sur épreuve, se déploie le temps de la création, variable selon les auteurs et les moments. Parfois, la germination de l'œuvre est le fruit d'un bouillonnement apparemment désordonné, comme chez Bataille. Parfois, elle semble obéir à une loi biologique, comme dans ce plan à bulle où Jules Romain rassemble les intrigues et les personnages des 24 volumes des Hommes de bonne volonté. Établir un dossier structuré en notes documentaires, plans, esquisses, scénarios, se fixer un programme, même si on peut s'en éloigner au moment de la rédaction, voilà une démarche dont l'écriture de Zola constitue le meilleur exemple. A l'inverse, Aragon ou Giono assuraient découvrir leur roman au fur et à mesure qu'ils l'écrivaient. De tous les gestes de l'écriture, les ratures sont les plus spectaculaires. Les brouillons en sont remplis, même si certains écrivains corrigent mentalement avant d'écrire. Le repentir est en effet indissociable de la création, mettant en cause ce qui est écrit pour approcher l'image idéale de ce qui doit l'être. Dernière étape enfin, avant la signature du bon à tirer, la correction des épreuves. Balzac en a une pratique particulièrement éprouvante pour son imprimeur. L'écrivain noircit les feuillets composés par les typographes et les métamorphose de nouveau en brouillon. Parfois, l'écriture s'interrompt et la plume trahit le trouble ou la rêverie de celui qui la tient. Une note intime, un dessin, moment d'absence et de suspens où s'engouffre l'émotion. Prendre des notes, garder la mémoire, chercher par approches successives l'expression juste de sa pensée ou de ses sensations, se fixer des règles, organiser son propos, autant de possibilités offertes à celui qui écrit de s'approprier la langue et de faire sienne l'écriture.